Actuellement, je comprends pas le rap. Ça prend dans les autres pays. Encore, je vois ici, c'est en train de prendre. Mais si nous, les Ivoiriens, ne faisons pas attention, notre rap va tomber. Parce que nous, les rappeurs ivoiriens, on est beaucoup copistes. On veut pas travailler. On pense que en copiant d'autres rappeurs, on va pouvoir avancer. Or, on se tue nous-mêmes. Aujourd'hui, quand j'écoute les rappeurs, j'écoute, il y a d'autres qui veulent faire comme. Qui suspecte 95, il y a d'autres qui veulent faire comme un kiff no beat, c'est pas bien. Il faut créer un propre style à toi, tu vois. Tu crées un propre style à toi. Au début, tu peux le pomper, mais arrivé à un moment, il faut te créer un propre style parce que c'est une figure de style que tu dois imposer en ton rap. Quand quelqu'un va écouter, il va dire, oh, lui là, c'est tel nom. Bon, je peux pas prendre son équipier. Genre, je sais pas c'est qui. Je lui dis, non, c'est suspect 95. On dit, non, c'est Didier ou bien c'est MC Moulay. Mais c'est MC pour là-bas. Tu vois, c'est un peu bizarre. Donc, c'est mieux de créer toi-même ton propre style. Parce que quand toi-même tu crées ce que tu fais, tu es content. Parce que c'est toi qui as créé. Moi, je suis venu avec mon genre musical, la dingue musique. Si tu n'es pas fou, tu ne peux pas m'écouter. Mais dans la jeunesse, quand je dis si tu n'es pas fou, c'est-à-dire, la dingue musique, c'est quoi? C'est-à-dire, je peux attaquer. Les politiciens de mon pays, mais d'une manière, les gens vont savoir, ils vont savoir, mais ils ne peuvent pas venir m'attraper parce que c'est trop chap-chap. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc, c'est ça, créez vous-même vos propres styles. Sinon, le rap ivoirien va tomber comme plus de cacao en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, robots à nous, que le combat continue. 2050 Famille Musique, Trip X, Fut Capitaine Deng, bientôt, Franck Olivier. Mon pote, faut bien gérer des missionnaires. C'est le conseil que je voulais donner à tous les rappeurs. Ciao, ciao.